C'est un nouveau record mondial de vitesse. Un prototype du Maglev, futur train japonais à sustentation électromagnétique, a atteint 603 km à l'heure, une première dans l'histoire. Cette allure a pu être maintenue pendant un peu plus de 10 secondes lors de la traversée d'un tunnel. Le train a donc pulvérisé son récent record de 590 km à l'heure. Le test s'est déroulé mardi avec des personnes à bord sur une ligne spéciale d'une quarantaine de kilomètres à Yamanashi, dans le centre du Japon. La nouvelle ligne qui lui sera dédiée est en cours de construction et doit entrer en exploitation en 2027 entre Tokyo et Nagoya. Le train devrait alors circuler à 500 km à l'heure pour couvrir la distance de 286 km en 40 minutes. La ligne sera par la suite prolongée de 153 km jusqu'à Osaka. Le coût total de l'ensemble du projet est évalué à près de 70 milliards d'euros.